Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape aux Pays-Bas, avec son parcours sans relief particulier, semble vraiment promise aux sprinteurs. Mais attention, le vent pourrait jouer les troubles fêtes et provoquer des cassures lorsque le peloton devra longer le littoral en fin d'étape. Bon les gars, le général ne devrait pas se jouer aujourd'hui, mais attention, il risque d'être nerveux. Restez bien placé dans le final. C'est dommage de tout perdre dès la première semaine. Ok, je vais le protéger. Du coup, je reste dans les roues. Les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà. C'est agité, nouvelle attaque. Allez les gars, il faut réagir tout de suite, sinon il y aura trop de monde à l'avant. Ok, je vais le protéger. Le peloton vient de rentrer. Il n'y a donc plus personne échappé. Ça s'anime en tête de peloton. C'est la sixième fois que le départ du Tour de France a lieu aux Pays-Bas. Après Amsterdam en 1954, Scheveningen en 1973, Leiden en 78, Sertogenbosch en 96 et la dernière fois Rotterdam. Avec l'échappée. Il tente de s'échapper. Ok, je vais le protéger. Du coup, je reste dans les roues. Peloton groupé. Ok, je vais le protéger. Du coup, je reste dans les roues. Il tente de s'échapper. Il n'y aura des points que pour le classement du maillot vert aujourd'hui. Ils seront distribués à l'arrivée et lors du sprint intermédiaire situé en milieu d'étape. Tentative de contre-attaque. Les coureurs sont maintenant sortis du Trecht. Ils vont pouvoir évaluer l'influence du vent et les risques de bordure dès maintenant. L'étape ne représente que peu de changements de direction. Ça attaque derrière. Il y a du monde en difficulté à l'arrière. Il devrait rentrer si le rythme se calme. La roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Secondes d'avance. Un équipier est en train de perdre le contact. Simplement, si un gars il a mal tassé sa poudre, eh ben son boulet, ben son boulet. Ne laisse pas le contre rentrer. Le peloton ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux. Assez épais
Derrière, bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Il prend virtuellement la tête du classement général. Ah oui. Ils disent que quand c'est la baïonnette, là c'est soit t'es déserteur, soit t'es pur combattant. Quoi. Soit tu bouges pas et t'es là à attendre l'ennemi, soit tu désertes et tu te fais tuer par ta par ton propre clan. Il fait partie des rouleurs avec une bonne pointe de vitesse, capable de bien figurer sur les étapes de Valois. Simplement que chaque demande est sur mesure. C'est pas un tailleur et tout. Et puis en plus ils reprennent le... Donc, tout est d'origine, quoi. Ils reprennent les mêmes tissus, les mêmes velours, les mêmes épaulettes, tout pareil, quoi. Même les mousquets avec lesquels ils tirent, pour la plupart des mousquets sont d'origine. Tout à l'époque. Ils demandaient à un gars, ouais je peux le tenir et tout, j'ai mes armes à feu. Son chef et tout, il lui a tenté ce feu à son nom. Non. Donc, j'ai pas pu tenir le mousquet en main, mais bien m'a montré et tout. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. T'as remporté le site intermédiaire, bien joué! Salut à tous, c'est Bord1348, on se retrouve pour le Tour de France et la deuxième étape Utrecht-Zélande avec le sprint final. Alors j'ai eu un petit problème parce que hier j'étais dormir, j'étais fatigué et quand j'ai voulu reprendre ma partie, il y avait une sauvegarde automatique à 20 km de l'arrivée. Alors, je sais pas comment ça se fait, j'avais fait une sauvegarde à 60 km de l'arrivée, j'avais un peu continué puis j'étais crevé, j'ai été me coucher et quand je suis arrivé ce matin, j'avais plus mes 60 km et j'étais à 20 km. Il y a déjà un petit problème, il y a une sauvegarde automatique mais... L'échappée est en train de résister au retour du peloton, mais ça va être compliqué. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Le peloton roule fort, restez bien placés. Ok, je viens de protéger. Ça va bien se passer. Reçu 5 sur 5. Je reste au chaud dans les roues. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Dernier pointage avec l'échappée, une minute. On va prendre la rue tout là. Encore 15 km à parcourir avant le dénouement de cette première étape en ligne. Il faudra voir aussi pour les ravitaillements, pour voir comment ça se passe.
qui rentre dans sa roue. Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est de nouveau en tête du classement général. Et genre là, je me fais lâcher dans le peloton, c'est la merde. D'avance pour la tête de course. Allez, on va voir un sprint. Alors, Sagan, c'est pas le meilleur, mais on va essayer de se débrouiller. Les objectifs se terminent dans les 5 premiers. Donc, on verra. Là, dès que ça tombe, dès que... On peut larguer. En plus, voilà. Une petite pause de 2 secondes pour laisser sortir mon chat. Allez, fous le camp. Voilà, on est parti. 5 km pour l'échapper, ça va être chaud pour la victoire d'étape. La route pour rejoindre l'arrivée à Zélande est très large et quasi rectiligne. Merde, mais qu'est-ce que c'est le travail là. Des équipes de sprinteurs. Le temps groupé. Ça en même quand même. Plus que 3 km, c'est un peloton groupé qui va se disputer la victoire à Zélande. Allez, je sais pas trop comment faire. On peut occuper. Allez, 1 km de la fond. Oh là 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 là. Il a passé la ligne d'arrivée eh oui, en tête il y a quelques sa minutes. Gagne. Voici le vainqueur de magnifique, l'étape, ça. Zélande. Première sprint de victoire. En mode difficile. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Belle victoire de Peter Sagan. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Et voici il prend le maillot vert de ce Tour de France. Temps. Voilà, on va mettre le maillot dans sa salle des trophées. On n'avait pas vu que c'était dalle sur le prologue. Et maillot vert. Ça va obtenir trophée. Encore un trophée, sprinter. Et ben voilà. On va sauvegarder ma partie. Et regardez ce qui s'était passé, je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Ça c'était ma partie Zélande quand j'étais parti avec Rachel. J'avais enregistré. Et puis j'ai réenregistré à 60 km de l'arrivée. Voilà, je pige pas trop là. Hein.
pas où est passé la... Ah, sauvegarder, est-ce qu'il y a les deux sauvegardes? Oui, envers oui. Ok. Bon ben voilà, donc le vent démarre, quitte-t-elle Christophe Cavendish. Première étape terminée en force avec Peter Sagan qui remporte cette étape. Donc c'est de bon augure pour la suite des étapes de... Bon, il était en forme hein, aussi, mais c'est la bonne augure pour la suite des étapes de sprint, de plaine. Voilà, mais j'ai pas utilisé le ravitaillement, faudra que je teste un peu. Ça va poser problème à mon avis, parce que... Allez, ben on va enregistrer, finir la vidéo ici, et on se retrouve pour l'étape 3 et le mur de Wii. Allez, salut à tous, à tout de suite, ciao ciao.